Bonjour les frères Élise, les présidents. Comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais vous montrer une petite combinaison pour faire un produit éclaircissant sans danger. Donc ceci c'est beaucoup plus pour tout type de peau et pour des personnes qui veulent aussi commencer l'éclaircissement de la peau. Ça peut également marcher pour des peaux abîmées, mais pas trop abîmées parce que si c'est trop abîmé c'est autre chose. Maintenant l'éclaircissement dont je parle, ce n'est pas teint métis, déjà, ok? Donc ça, c'est l'éclaircissement genre, j'ai un teint qui est vraiment éclatant, c'est, comment dire, je prends vraiment de l'éclat, etc., etc. Et donc, là, on a quelques éléments là. Déjà, entre ces deux-là, efficacité exceptionnelle, efficacité extrême, pas très grande différence. Moi, je pense simplement que ils ont peut-être trop vendu celui-ci. Après, ils ont essayé de créer la doublure pour faire genre voilà une nouvelle formule et tout parce que franchement il n'y a pratiquement pas de différence entre les deux. Que vous preniez celui-ci ou celui-là, c'est presque la même chose à mon avis, sauf si vous avez une expérience autre sur les deux produits, vous nous faites savoir également. Donc moi je pense que celui-ci ou celui-là c'est la même chose pratiquement pour moi. Déjà qu'ils ont le même prix, donc vous y allez là où ça vous arrange, là où anyway, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Même chose pour le sérum. Donc ils ont deux sérums différents, mais pratiquement, c'est la même chose pour moi, à mon avis, hein. Donc, vous me dites aussi ce que vous en pensez, vous qui avez déjà utilisé. Vous me dites s'il y a une différence entre les deux. Et on va également utiliser la glycérine de cette même gamme. La glycérine, elle est très légère. Ça s'appelle cristalline, mais c'est une glycérine très fine, très légère, donc elle ne colle pas. Et en général, ce que j'ai eu comme expérience avec mes clients au Cameroun, c'est que à un moment donné, j'étais en rupture de lait. Et parce que j'étais en rupture, ils ont commencé à acheter uniquement la glycérine en attendant que le lait arrive parce qu'ils ne voulaient pas changer de produit. Ils ne voulaient pas sortir non plus de la gamme. Donc, et ce qui m'est revenu comme feedback, c'est que voilà, ça maintient bien également. Donc, quand ils sont en rupture de lait, ils peuvent très bien utiliser la glycérine sans problème. Et maintenant, on va également ajouter notre petit cube, le Macari Sérum. Macari Sérum, je sais, beaucoup de personnes disent que ça ne leur va pas. Mais regardez bien parce que je ne sais pas quel Macari Sérum les gens utilisent très souvent ou comment ils les utilisent parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, il y a plusieurs façons d'utiliser ce sérum. Si vous l'utilisez mal, vous aurez un très mauvais résultat. Si vous l'utilisez d'une autre manière, bon, voilà, ça dépend. Il faut savoir comment l'utiliser. Malheureusement, je ne peux pas vous dire comment utiliser ces produits parce que je le réserve uniquement à mes clients. Donc, je sais, ça semble égoïste, mais je pense que c'est assez juste pour ceux qui font des achats chez moi. Et c'est tout simplement parce que je suis une vendeuse, je ne suis pas youtubeuse. Donc, je peux vous dire quels sont les produits qui sont bien, mais je ne pense pas que je puisse vous dire comment les composer exactement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà la combinaison de ces produits, le lait extrême ou exceptionnel, peu importe, la glycérine, comment est-ce que je dis, le sérum, son sérum, le sérum Macari, et la glycérine, c'est une très bonne combinaison pour éclaircir. Maintenant, à un certain niveau, pour des peaux abîmées, il y a d'autres choses qu'on peut ajouter. Il y a d'autres choses qu'on peut ajouter que je ne citerai pas ici pour le moment. Donc, on va faire d'autres vidéos et je vous expliquerai plus. Donc, ça, c'est déjà pour éclaircissement normal, c'est-à-dire quelqu'un qui veut commencer à éclaircir la peau, il n'a aucun problème. Vous pouvez essayer cette routine. Je pense que ça devrait aller. Je ne vous donne pas de garantie à 100%, hein, je vous l'ai dit. Donc, mais je pense que ça devrait aller. Surtout si vous n'avez jamais rien mis sur votre peau. Surtout. Parce que généralement, ce que je vois souvent, c'est que les gens, vous avez déjà commencé à éclaircir la peau, vous avez commencé à utiliser d'autres produits, des produits très forts pour votre peau. Et vous ne me dites pas tout, parce que quand je vois souvent certaines photos, je sais que voilà, la personne a utilisé des produits. Et il y a de fortes chances que ça ne marche pas exactement, parce que pour ces cas-là, c'est autre chose qu'il faut faire. Et donc, soyez également honnête avec vous-même, parce que vous voulez un résultat positif, vous voulez un bon résultat. Alors dites-moi tout, dites-moi la vérité. Parce que même si je vous dis, ok, utilisez ceci, il faudrait que je sache si oui ou non ça peut marcher ou pas. Ok? Donc, voilà. J'espère que cette combinaison vous aura plu et que vous allez passer votre commande. Voilà. La commande, vous savez comment faire. Surtout, n'appelez pas, s'il vous plaît. Donc, passez juste, laissez-moi juste le message. Je vous répondrai dès que possible. Merci beaucoup. Et voilà. J'attends vos commandes. Merci.
Hi guys, just wanted to let you know that if you're trying to light your skin, you can try this combination. I mean, if you're using this or this one, I don't think there is any difference between these two lotions. You just let me know. If you already use it, just let me know if there is any difference, but I don't think there is any difference. So, and you can add this one, the glycerin, which is crystalline, and also the serum here, and you can also add the serum Macari. But how you gonna mix it, this is something that I reserve only for my customers, so I'm sorry I can't tell you. But the thing is, I think this is a very good combination for somebody who wants to light his skin with no danger, and also who is the beginner, because it's not something that you're gonna use when you already damage your skin. Because if your skin is already damaged, there's another process that you have to do, because this maybe will not work. And also, when you're contacting me, please make sure that you tell me all the truth, because sometimes I see pictures and somebody is already trying to light the skin, so it's kind of already messed up, and you don't tell me the truth, and this maybe will not help you. So this is for somebody who I've never tried, and also maybe who is the beginner. Okay, so if you want to try, just let me know, and you can place your order on WhatsApp. Thank you.